Allez, on les applaudit encore, nos choristes et nos musiciens ce soir. Merci pour eux. Je disais que c'était un sportif. Oui, c'est un surfeur. Mais c'est aussi un guitariste. C'est aussi le membre d'un groupe qui a marqué les années 80. Maintenant, il est tout seul. Il fait cavalier seul, mais ça lui va très très bien. Et ce soir, il va évoquer une fois de plus avec vous un grand succès. Nuit Sauvage, souvenez-vous, le groupe s'appelait Les Avions. Jean-Pierre Morgan, c'est à vous, jeune homme. Et sur la piste. Vous allez bien? On y va. Allez, envoie la grade. Ça démarre. Hey! Faut taper dans les mains. Très fort! Yeah! J'ai posé une question simple. Est-ce que les garçons sont chauds ce soir? Et là, vous allez voir, les garçons, ça va hurler beaucoup plus fort. Est-ce que les filles sont sauvages? Je danse! Et sur la piste d'une boîte à musique, elle se balance sous des milliers de soleils, fumée mentole, accrochée au bar. Elle me regarde et je bascule dans le ciel, perdu dans le ciel, perdu dans le ciel. Mon Dieu! La nuit est chaude! La nuit est chaude! Elle est sauvage! À travers la ville, étoile filante, dans un taxi noir et vert, je l'ai perdu à cause d'un tramway. Et sur la plage, je vois des milliers de verres perdus dans ses yeux verts. C'est orange. La nuit est chaude, la nuit est chaude. Elle est sauvage. Est-ce qu'on tape très fort ce soir à Fos-sur-Mer dans les mains? Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on fait vibrer ce stade? Hey! Yes! Oui! Tu me poursuis et je la traque sans arrêt, le jour comme la nuit. Je la retrouverai, oh, oh, oh. La nuit est chaude, elle est sauvage. La nuit est belle, pour ses otages. Yeah. La nuit, Fos-sur-Mer, la nuit. La nuit est chaude, la nuit est chaude. Ça commence, ça. Et comment il faut sur les radars? Et devant, devant vous faites comment? Devant, vous faites comment? Allez. Et maintenant on va faire tous ensemble, d'accord? Tout feu sur mer, ok? C'est super. Vous pouvez vous applaudir vous-même, d'accord? Show.
Merci à vous. Jean-Pierre Morgan qui vient de sortir un album, lui aussi formidable. Hein. Si vous aimez le rock, le vrai, les bons sons. Comment ça s'appelle ton album ? L'homme qui passe après le canard, mais tu peux leur expliquer que... Non, on n'a pas le temps. Si, si, c'est parce qu'à fut un temps, nous avons fait une tournée où je faisais la danse des canards. Vous connaissez la danse ? C'est la danse des canards. Voilà, bon, très bien. Et j'étais habillé en canard.